précédemment dans un Romeo au Maroc. Il est actuellement 4h08. Je réalise pas encore parce qu'il est hyper tôt. C'est vache qui a des soucis. Ça y est, t'es fait pour ça. C'est 21h25. Comment tu m'as fait? Elle a toujours 99,99 ours. Incroyable. Ah, il y a une photo à faire. Je crois que tu as envie de pleurer. Jour 4. Lourd. Le programme. Direction Chef Chaouen, de là où on est actuellement, donc de Casa, on a 5h30 de route. Donc, levé 6h, actuellement il est 6h, j'ai dormi 6 minutes. Elle a dormi... Non, ça va, t'as dormi, toi. Pardon ? Depuis 4h, hein, tu sais, je suis là. Hein. Ah bah, toujours avec l'appel à la prière. C'est bon, maintenant elle fait la prière à 4h, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Voilà, Mashallah. Bref, on est parti, on se prépare. 5h30 de route qui nous attend. Oh, on est bien, on est bien. On est bien. Cousin, nous sommes à... Salut, voisin. Ah, qui est sur la route de Chef Chaouen. On a fait une petite pause. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce village? C'est un petit village. C'est à côté de Chef Chaouen. Sa spécialité, c'est... Non, mais c'est bien. Oui, fais un exposé. Mais moi, j'attends parce que tu fais le malin avec la nourriture. Mais je veux voir si ça parle un minimum. Donc, vas-y. C'est Chef Chaouen, sa spécialité, le blanc et le... Et le bleu, ici, c'est le blanc et le vert. Ouais, c'est vrai. Le vert, ça vient de l'olive, c'est ça? Oui, c'est ça, l'olive. C'est ça. Et ça sent l'huile d'olive quand on arrive. Hein? Quand on est arrivé, ça sent l'huile d'olive. À la rentrée, c'est... Ouais, l'huile d'olive chaud. Ah, c'est vrai. L'huile est terre. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est beau. Ouais. C'est magnifique. Ça, c'est une belle pause avant Chef Chaouen. Ah ouais. Très belle pause, même.
contente? Oui. Voilà. Ça c'est pas le Big Ben, c'est Small Ben. Le Small Ben. Ah oui, c'est ça les anciennes portes. Ouais. Magnifique, hein. Ouais. Incroyable. Madame, pas possible, se font très bien dans le décor. Et ici, il faut avoir les cuisses. Hein. Là, ici, tu fais la préparation. La préparation de la saison, tu l'as fait ici. La préparation de la Coupe 2026. Ben, voilà, c'est ici. C'est exactement ici. Hakim Ziyech. C'est un message pour le Glagir. Ça, c'est, ouais. Et ça, c'est, il faut Azdino Nahi, Ziyech, ils vont faire les cuisses. Ah, voilà. Pour les cuisses. Il faut les cuisses ici. On remplit les cuisses. Oh, mini Baguera. Oui. Oui. Oui, mini Baguera. Oui. Voilà. Ça y est, tu m'as adopté toi. Toi aussi. Oui. Si tu viens, ça veut dire que nous sommes faits. Bah il vient pas. Ah les mslama. Oh il était beau, hein. Il était mignon. Ça y est, il fait sa vie. Il t'a oublié. T'as pas de cœur. Voilà, c'est toi qui as pas de cœur. C'est pas ça le sujet, mais ça, quel plaisir. Du coup, tu veux une visite. Donc, du coup, est-ce que ouais, tu veux faire une visite de l'endroit où nous allons crécher? Vas-y, je te fais confiance. C'est quoi qui a craqué? C'est ton épaule là? Oui, Dan. Ah ouais, d'accord. Alors, ça, c'est notre chambre. Donc, on a la particularité d'avoir 3 lits. Voilà, sympa. Par contre, j'adore, voilà. C'est les détails. Ouais, c'est vrai. Les détails, on a. Comme ça, c'est trop mignon. Donc là, tu peux dire qu'on est dans Chef Chaouen. On est dans Chef Chaouen avec une petite vue. Bon, on voit pas tellement. Non, c'est beau. Bah, mais c'est beau, mais... Attends, regarde, t'as pas l'expérience. Non. Voilà. Aïe. Tac, t'attends. Bim. Ah, c'est tactile. Regarde. Mais oui, c'est tactile. Et 3 ans après, tu regardes. T'as vu, t'as... Voilà. Il voit maintenant. Ensuite. Les toilettes avec... La petite douche. Voilà. C'est mignon. Le frigo. Pourquoi tu veux faire visiter le frigo? Le frigo. Parce que peut-être que là, nous aurons une pastèque d'ici les prochaines heures. Oui, peut-être. Peut-être. Et ça rentre. T'enlèves là, la pastèque rentre. Qu'est-ce que t'en penses? Pour parce relever que... ça. Il faut relever ouais. ça. Ouais, on va l'enlever. Mais parce que lui, en fait, c'est le spécialiste des pastèques. Ouais, fonctionne. On dirait pas qu'il est... Il est un peu fatigué, non? Non, on peut... Non, tu peux le... De toute façon, il n'y a rien. Ah, ok. Pourquoi tu ne vois pas le métal? Le bruit? Non, mets-le pas, lui. On va pas dormir. Non, on a eu quoi comme lumière? Voilà. Lumière noire. Plus des LED, tout ça, et nous, on a une lumière LED. Mais non, là-bas, oui. Ah, nous, c'est rouge. Et bleu. Ouais. Oh. Jaune. Ah, ouais, comme ça, on apprend les couleurs. C'est bien, ça fait plaisir. C'est le discothèque chez toi. C'est le discothèque. Ensuite, nous avons la seconde chambre qui a été remasterisée. Ouais, c'est ça. Parce que les lits étaient séparés. Ils ont de la chance. Voilà. Et voilà, hein, on aura tout fait. Ah ouais, vraiment, tu te débarrasses du truc. Merci, sympa. Hein. On fait quoi, cousin? Ne me dis pas, on va manger. Bah, on va sortir d'abord. Oui, ça, oui, mais pour manger, on va peut-être sortir aussi. Non, avant d'aller voir le match. Ah, c'est quoi le match ce soir?
Eh ben c'est l'Espagne, l'Italie. Oh là 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 là. Le maillot du Real, on est un peu dans le thème. Il n'y a pas beaucoup de joueurs espagnols du Real Madrid. Mais... Si, il y a deux. Carvajal. Trois, Carvajal et Nacho. Nacho, on l'oublie beaucoup, Nacho. Ouais, incroyable. Je sais pas pourquoi, mais... Ah, il faut le respecter, il faut le respecter. Ouais. C'est vrai. Et demain, l'équipe de France. L'équipe de... Ah, et en plus, R1. On a préparé le maillot. Voilà, on a préparé le maillot. L'équipe de France. Ah oui, on n'oublie pas. Voilà, on n'oublie pas. Maillot de le finaliste, Coupe du Monde 2022. Ouais, certains vont dire que je suis un traître. On est ensemble. C'est bon? Ah ouais, maintenant c'est bon. Voilà. Ah ouais. Parce que ça fait 10 minutes, on essaie de fermer, on n'y arrive pas. Donc voilà, en fait, il faut que tu fasses ça. C'est le contraire. Oui, normalement, en fait, celui-là oui, doit être là. Ouais, mais en fait, t'avais juste à fermer le truc à l'intérieur, là, en haut. Ouais, et en bas. Voilà, mais c'est dommage parce que vous avez loupé une scène incroyable. Eh oui, c'est ta tête. Eh oui, c'est ta tête. Oui. C'est triste. Hein. C'est fatigué. Mais au moins, tu vas manger un tagine kefta. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. La base. Je suis venu au Maroc pour ça, moi. Il a déjà attaqué. Ça y est. Il a déjà attaqué le chicken. Avec les légumes. Enfin, avec les pommes de terre. Avec Jada. Jada. Et voilà le tagine kefta. Top. Vu qu'elle n'a pas de personnalité, elle a pris la même chose. Voilà. Ça, quel plaisir. Attention, découverte du tagine kefta par Madame Pas Possible. Est-ce validé ou pas? Ah, en plus avec les frites. Oh là là. On goûte. Oh là là. L'odeur. Hajal au top. Attends, tu voulais lui proposer quoi? Des escargots. Tu veux manger des escargots? Mais non. Mais toi, tu manges des escargots, toi? Oui, de temps en temps. Ah ouais? Oui. Non, tu mens. C'est bon? Ah oui? Il mange des escargots? Tu aimes des escargots aussi, toi? Ah ouais? Bah voilà. Bah regarde les gens. Ah bah oui. Comment ils jouent? Alors, tu veux goûter ou pas? Non. Vidéo dégustation, non. Après le kefta. Non. Non. Tu vas en prendre? Et toi? C'est longtemps que j'ai pas vu des étoiles. C'est vrai? Ça fait longtemps que t'as pas vu des étoiles. Au Casa. Ah mais à Casa avec la pollution. Bah oui, avec la pollution, tu vois pas. Non, si, c'est vrai.
Ouais. C'est triste. Oh non, oh, c'est triste. Déjà, avoir un chat, un chien, c'est triste, c'est triste. Mais... c'est triste. Regardez encore un chien là-bas. Mesquine. Voilà. Par contre, ouais, c'est vrai que chien et chat, tu vois ça tout le temps. Je n'ai pas adopté un, non. Moi, j'aime les chats, mais Karima aime ni les chats, ni les chiens. Personne. Walou. Walou. Bah, c'est bien. Bon, bah, j'ai essayé. J'ai essayé. Quelque chose. Elle était envoyée par la fenêtre. Ça, c'est sûr. T'as pris des escargots? C'est des escargots. Mais non, c'est les tournesols. Les tournesols. Allez. Ça se mange comment, je vois? En fait, tu le croques et il y a le truc dedans. Mmh. Tu sais, c'est comme. Tu connais les pépites? C'est pareil. T'es censé manger le truc à l'intérieur? Ouais. Ah. Oh mais toi tu vas mettre longtemps à le manger. Ah, bah oui mais j'ai la coquille. T'as jamais mangé ça en France? Bah non. Les pépites? C'est la même chose. Il est dégoûté. Ouais, juste pour vous dire que ça fait 20 minutes qu'on cherche notre lieu. Regarde le chat, il est beau lui. Oui, ah oui il est beau. Mais bon, il y a que ça. Ça fait 20 minutes qu'on cherche. On n'a toujours pas retrouvé là où on dort. Bon. Ah on est pas loin. On est où là? Faut continuer. Ah, on est un peu loin quand ah, même. On est loin, on est loin. On est loin. Mais non, en fait, on a loupé, il fallait sortir avant, non? Enfin. Il sait pas tout. C'est ça. Il faut rentrer dans la maison là. Faut aller où? Oh là 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 là. Là. Eh, allez, on remonte. Il est minuit. A few moments later. On n'a toujours pas retrouvé. Voilà le coupable. Et en fait, tout se ressemble. On croit être passé par là, mais en fait, on n'est pas passé par là. Après, on dit, ah, c'est pas mal ici. Bah ouais, c'est la première fois qu'on passe par là. Mais on a passé devant. On a passé devant. La rue. Et on n'a pas reconnu. On n'a pas reconnu. C'est catastrophique. Eternity later. Ça y est, victoire. On a trouvé. Bravo. Jour 5. Bah écoutez, on a très très bien dormi. Je suis bon, j'ai très très bien dormi. Et puis tu vois ma tête, tu dis ouais, on dirait qu'elle a dormi que 2 heures. Aujourd'hui, les gars, on va continuer la visite de Chef Shaowen. On va essayer de trouver un endroit pour pouvoir, évidemment, regarder le match de l'équipe de France. C'est la base. Et voilà, on va quoi. En plus, là, il fait super beau. Il n'y a pas un nuage. C'est super, super agréable. Ouais, ça te change de la France où il fait 8 degrés et 15 l'après-midi au mois de juin. En plus, ce qui est marrant, c'est pas un petit big up au parc Astérix, c'est qu'en ayant travaillé là-bas, c'est un peu la même ambiance que Pegasus Express pour ceux qui savent. Voilà. Oh, madame. Avec une G là-bas. L'entrée était incroyable. Elle part à la douche, moi préparé. Et après, ouais, on va prendre le petit déjeuner tranquillement. Voilà, lâche ton like quand même. Parce que c'est. Ça fera plaisir quoi. Bye. Pour Insta ça, pour tes, comment tu les appelles tes les gens de ta communauté? Tu les appelles pas? Bah non, je ah, d'accord, ok. Oh. Cousin, il mange encore, voilà. Ah ouais, voilà, il prend des photos. Voilà, il prend des photos et il mange. Voilà, photographe, il est parfait. Je vous présente Madame Ok. Pourquoi on t'appelle Madame Ok? Parce que j'ai le Ok, mais ça va mieux là, je pense que là, le fait ah, le fait que... Non. Ah bah voilà, voilà, merci, salam. Donc là, on est rentré. Comment ça s'appelle? Là où on est rentré? C'est le Qasba. Donc ça a plus de 800 ans. Presque 800 ans, ouais. Ah ouais. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est magnifique. Et donc toi, t'as payé parce que t'es française. Exactement. J'ai voilà. coûté 90 dirhams. T'as coûté 90 dirhams. Là, t'as la prison. Le présent, ouais. La prison. Ouais. Tu vas là au présent. Allez, viens. Vas-y, on va au présent, allez. Prison historique. Prison historique. Ah ouais. C'était là les GAV à l'époque. Ouais. Les gardes à vue.
Salle d'attente. Salle d'attente. Salle d'attente. Salle d'attente. Il croit que tu étais chez le médecin. Bon. En tout cas, il fait frais, ça. Prison break au chef. Prison break. Incroyable. Okay. Ah ouais. C'était comme ça, là. Ouais. Oui. C'est comme ça. Tu restes ta vie. Voilà. Comme ça, c'est... Voilà. Bah, je vais te laisser ici. Même les pieds. Voilà. Et là, tu vas payer plus que 90 dirhams. Bon, là, par contre, ils ont ajouté une prise. Je crois, il n'y était pas il y a 800 ans, la prise. Non. Bien sûr. Bien sûr. La vue, ouais. Là, c'est carte postale. Hein. Les marteaux. Ah ouais. Oh, salle de spectacle. Magnifique, j'avoue. Ça donne envie de faire du grand spectacle. Ah non, franchement, c'est magnifique la vue et tout. On en prend plein les mirettes. Comment Madame Pas Possible vit son rêve d'aller à Chef Chaouen? C'est incroyable. C'est encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Ça, c'est une très belle phrase. Très, très belle phrase. Mmh. Fais quoi, chef? On va rentrer. On rentre? Ah, allez, on y va. Yalla, et là, ça y est, elle commence à être marocaine. C'est écrit en espagnol. En espagnol, ouais. Et en arabe évidemment, mais surtout en espagnol. Marruecos. Ah là 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 là. Voilà, allez, CR7. C'est ça qu'on veut. Voilà, parfait. Les mirettes. C'est Dacia. Le bruit que ça a fait, voilà. La Dacia, elle peut pas rouler. Non, mais par contre, une Duster, normalement, ça devrait rouler. Non, bah, ouais, ça se voit. Bon, les gars, je vous jure, on est en train de faire une montée là. C'est le Tour de France. En plus, frérot, je commence à prendre un coup de soleil au nez. Là, je ressemble à Coluche. Coluche au Maroc. Elle a récupéré sa chichi. Le petit chapeau. T'es contente? Bah oui, c'est un petit cadeau. Bah oui, petit cadeau, petit souvenir. C'est les chapeaux ici à Chef Chaouen que portent les femmes. Voilà pour les explications. C'est pas sorcier. Eh oh, Jamy! Ça sent bon. Ça sent bon. Bah, je peux pas rester ici longtemps. Ah, toi, tu vas éternuer. Ah non, c'est... Okay.
Ah là là, une pause bien, bien méritée. Ah ouais, là, bien ça sûr. Y est, ah ouais, là, ça y est, les femmes sont parties au savon, au parfum. Pour chercher les... des souvenirs, tout ça. Et là, il est quelle heure là? Il est 15h22. On a fait que de marcher. Depuis 11h. Depuis 11h, depuis 11h on marche non-stop. Ouais. On a fait tout Chefchaouen, le centre-ville, tout. Et là, on est au moment des souvenirs, tout ça. Ouais. Après, je pense qu'on va aller se reposer un peu, manger. Et on va aller à un café pour regarder le match. Et soutenir l'équipe de France à 20h. À 20h, heure marocaine. Ça va être grand match ce soir. Ouais, France-Pays-Bas. C'est ta première, deuxième fois, Chefchaouen? Oui, c'est la deuxième fois. Mais comment, c'est pas... Comment c'est tu trouves, toi, Chefchaouen, le nord du Maroc, tout ça? Ah bah le nord, c'est incroyable. Parfait. C'est parfait. C'est incroyable, c'est rien à voir. Ouais. Parce qu'on peut partager le Maroc à trois. Partie nord, partie milieu et partie sud. Si on vient en janvier, décembre, le nord, carrément froid, nuageux, neige. Au même temps, au milieu, Gaza, Rabat, jusqu'à Agadir. Mmh. Oui, ça y est. C'est... Il a été appelé, ça y est. Oui. Attends. La banque. To be continued. Oh, oh, oh. Oula. Oh là là, le tajine kefta avec le piment. Aïe, 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 avec le piment. Oh là 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 là. C'est un volcan, ça. Ah ouais, mais je l'ai eu hier, hein, le volcan, moi. Ah oui. Oh là, tajine poulet légumes. Et merci qui? Merci Hamouda. Oh, ah, qui régale. Ah oui. Ça, quel plaisir, les amis. On est devant le match. Tu dis quoi, toi, France-Pays-Bas? Bah, c'est 2-0 pour la France. Pour la France, ouais. A few moments later. Donc du coup, voilà, 0-0. Voilà. Éviter le calcul. On a perdu 1h30 de notre temps à Chefchaouen pour un 0-0. Voilà. Ah. L'hôtel Barcelone. Ça, c'est pour chronique, ça. Ah, je me suis renseigné, c'est pas le meilleur... C'est pas le meilleur hôtel. Il y a un hôtel Madrid plus loin et de meilleure qualité. À ce qui paraît, à ce qui paraît. Voilà, on rentre après ce match catastrophique de cette équipe, qu'on se lève tôt demain, on reprend la route. Mais avant de reprendre la route direction Casa, il y aura une petite surprise puisque nous allons partir. Où, madame, pas possible, nous allons partir? Je sais pas. Non, nous allons partir à Akshor. Il y a de magnifiques cascade apparemment, donc voilà, on part assez tôt demain, c'est à 1h d'ici, donc encore un peu plus dans le nord du Maroc. On va aller encore en prendre plein les mirettes. Madame pas possible est prête pour demain, il va falloir dormir là. Moi je suis toujours partante. Hein. En tout cas, on se retrouve demain. Voilà, voilà. Je suis mort. Bon, bah voilà, on va préparer le départ tranquillement. Et voilà, comme je vous ai dit, on part en direction Akshor. Toujours avec la nourriture. Ah ouais. Toujours avec la nourriture. Tu sais, je suis en train de me dire que ce vlog, ça va être un vlog spécial bouffe. Moi, j'ai filmé plus de bouffe qu'autre chose. Ouais, je crois. C'est ça. Bref, on va récupérer les affaires, tout déposer dans la voiture et on y go, hein, tranquillement, hein, tu connais. Madame pas possible, heureuse de... Bah non, pas heureuse de quitter... Non. Voilà, bah non. Son rêve s'arrête là. Triste. Dur, ouais. Triste, très triste. Franchement, ouais. Voilà, un témoignage vraiment très poignant. Hein. Quel plaisir.
t'as fait Toulouse ou quoi? La vie de rêve. Hawaï. La base. Sah, quel plaisir. Mais t'aimes pas? Je redoute. Voilà, elle regoute pour dire qu'elle aime pas. C'est incroyable ces gens-là. Voilà, le Poms. Voilà, Poms Hawaï. À vous de faire votre choix. Voilà. C'est la base, une des boissons les plus chimiques de l'histoire. Et voilà. Toujours. C'est un vlog spécial bouffe. Voilà. Tagine viande, tagine poulet. Tu connais le pain, le hops. La base sous un cadre incroyable. Voilà. Limite les pieds dans l'eau. Hein. Oh là 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 là. Oh là là là. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Ça là-bas. Ouais, ah oui, ça, ouais, bah c'est quoi? C'est tout le fût du monde. Oh là 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 là. Ça y est, on quitte. Est-ce que tu peux redire la... le village où on a été là? Ce qu'on va quitter? Tu peux le redire, essayer de le dire en arabe? Ah, chouche. Oh là 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 là. C'est de pire en pire là. Là, ça y est, et en espérant ne pas dormir à cause du tagine sur la route évidemment. On est parti. Bon, finalement, changement de programme. Changement de programme. On se retrouve pas à Casa, mais à Martil. Une personne bien cramée. Oh la vache, mais t'as cramé en fait. Mmh. Oh. Carrément. Et là il y a une petite anecdote sympa, c'est que évidemment on a fait ça en impro, on s'est dit ouais on va passer par Tétouan, Martil et tout, donc on est vraiment au nord du Maroc et mon cousin a eu l'idée de voilà de récupérer un appartement à la va-vite. Bon, je vous expliquerai comment ça se passe au Maroc, c'est très spécial. Mais il est parti visiter 3 appartements. Il en a choisi un, donc c'est parfait. Le temps qu'on aille chercher les affaires, chercher les sous à la banque, tout ça. Il est reparti. On est revenu, là, on est dans la résidence. Mais ce Hamar, il sait plus. Il a oublié, c'était où l'appart? Et tu le sais toujours pas? Regarde, regardez même comment il marche. Déjà, on sait, on n'a pas confiance en ce mec-là. Et t'as cramé hein? T'as cramé ouais. À où on était juste avant? Arc. Non. Chouche. Pourquoi? T'as rajouté des lettres là où il n'y en avait pas besoin en fait. Arc. Non. Arc. Ak. 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 Aka. Aka. Comme la K47. Ak. Ak. Chour. Akchour. Akchour. Tu le dis à la française. Sinon c'est Akchour. Akchour. J'ai cramé à Akchour. Voilà. Voilà, c'est un mème. J'ai cramé à Akchour. C'est sympa. Attends, de quoi? C'est de l'autre côté donc on est. C'est ici? Ouais. Voilà, il fatigue, hein. Ce mec-là, il fatigue. Eh ben, bienvenue à l'appartement que t'as visité. Enfin. Ah, c'est bien. Ah, il y a une terrasse. Voilà. Il a visité, il a même pas vu la terrasse. Ça marche, hein? Tu devrais pas faire le c'est bloqué. C'est bloqué? Ouais. Mais non. Ah, il a une terrasse bloquée, le mec. On passe en dessous, c'est pas grave.
Vas-y, à toi l'honneur. Ouais, mais une terrasse, mais ça veut dire qu'ils vont faire une mission d'eau. Ouais, non, c'est bloqué en fait. Non, en fait, il est mort. Bon. Non, il est mort. C'est bloqué. Ça marche pas. C'est pas vrai. Ouais, regarde. Là, je fais ça ou ça, ça bouge pas. T'as vu le bruit que ça fait? Non, 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 non. Wow, 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 wow. Il a monté. Ah, il est bloqué. T'as vu? Bruh. Il a cassé. Bon. Allez, ouais. J'ai rien à voir avec ça. C'est pas bon. Eh, c'est pas bon. Allez, salam. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as baissé? Mais comment ça t'as rien fait? J'ai fait. J'ai juste touché là. Bah, t'as fait ça, il faut pas toucher. Alors attention, là on est en train de prendre l'ascenseur. Il est formellement interdit de surcharger l'appareil, utiliser l'ascenseur en cas d'incendie, permettre d'usage aux enfants non accompagnés, transporter d'immeubles. Pas des meubles, c'est d'immeubles. Ça te choque pas toi? C'est normal? Non. Ah, il a réparé ses bêtises. Voilà. Voilà. Mais t'as fait comment? Tu l'as remis direct? Ouais. Au-dessus là? Juste le coincé. Ah, tu l'as coincé? Mais la technique de fou. Il l'a bloqué avec ça. Et ma série de vidéos, ça va être que toi qui manges, voilà. Ah, madame, pas possible aussi. Hein. Oh, elle revit. Bon, moi aussi, je revis, hein, vous inquiétez pas. Regardez bien, le seul balcon allumé, c'est nôtre. C'est toi, ça, encore. Ah, si, parce que tu voulais réparer le truc et t'as réussi non, après. Non, c'est pas si, moi. Arrête. C'est Karim. Non, c'est toi. T'as vu, tu rejettes la faute sur les autres. C'est toi qui as mis la serviette. Encore et encore. Et elle est contente. Hein? Si elle va pas nourrir son compte Insta, celle-ci. Hein? Hein? C'est pas vrai. Hein? Franchement, je crois que ça doit faire au moins facile 2 ans. Ouais, facile 2 ans, je crois, depuis la réunion, j'ai pas été dans l'eau de mer, si j'ose dire. Et là, il y a Madame Pas Possible qui est partie tremper juste ses pieds parce qu'elle a les épaules tellement cramées, elle n'ose pas rentrer, t'as capté? Madame Pas Possible. Regardez, je sais pas ce qu'elle fait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait à Ramascoa? Qu'est-ce qu'elle fait? On sait pas, elle est bizarre de toute façon. Et du coup, les gars, là, ce que vous entendez? Là, là-bas, là. Attendez, voilà, là-bas. En fait, il y a un tournoi de beach volley. Donc, c'est tournoi africain avec les hommes et les femmes pour une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans même pas un mois. On est toujours en retard, nous. Ah, bah on a l'explication de ce qu'elle ramassait. Tu crois que je ramassais les déchets ou quoi? Je sais pas, justement, on se demandait ce que tu foutais. Tu sais pourquoi je suis sortie en vrai? Pourquoi? Il y avait une grosse merde qui flottait. Bruh. Une grosse merde. Tiens. Ah, je te jure. Je suis partie. Tu veux la voir? Elle est énorme, la meuf. La meuf. C'était un boudin. C'était quelqu'un. Ah ouais, un boudin. Un boudin marron clair. Cartagène, quoi. Ouais. Tu veux la voir? Non, ça va aller. Je pense que. Ouais, bah, ça ira. Bah, à un moment donné, ça va couler, t'inquiète. Alors, c'est quoi la sensation d'être dans une voiture qui est en train d'être changée? Bah, un témoignage? Pas grand chose. Pas grand chose, non, comme si dans un été. Ouais, une vraie princesse. Ça. Allez, on reprend la route.
Bah vas-y, dès que la roue sera changée. Ouais, mais c'est pour faire la transition en fait dans la vidéo, ah, tu vois. Pardon. Donc en fait. Du coup, on a fait une petite escale à... Ah, génial. Comme ça. À Tanger. Ça va, t'arrives à le dire, oui. Ça va. Du coup, voilà, petite escale à Tanger. Voilà, très très belle ville. Je pense que vous allez pouvoir déjà avec les quelques images. Et voilà, on va continuer encore à profiter du nord du Maroc avant de rejoindre Casa. Franchement, non, très très belle ville. Et sous-côté, je trouve. Parce que je trouve que c'est pas forcément les villes qui ressortent du Maroc, en tout cas comme ça à l'extérieur. Et il y a pas mal de touristes, hein, mine de rien. Franchement, c'est la ville où on a vu le plus de touristes pour le moment, des Français, Espagnols, tout ça. Parce qu'on n'est pas loin de la frontière espagnole, hein, techniquement. Donc voilà, on continue à profiter. Et j'espère que vous faites de même, quoi. Parce que là, il y a de très très belles images. Là, oui, là par contre, il y a des photos à faire. Donc là, c'est le moment Insta. Désolé de... Ça coupe. Comme sur les photos, l'épaisseur du truc en France c'est plus fin et je te jure tu te fais remarquer même sur la taille des steaks. Là on est bon, là on est bon. Burger King, Haja le top. Il reste 3 heures de route. Au début des problèmes. Spécialiste de la pastèque, il est là, le spécialiste de la pastèque, après 7 heures de route, le voilà, Elle est bonne. Elle est bonne.
Ouais, ça se voit, ta tête, elle a changé en deux minutes. Ça se voit, ta tête, elle est plus pareille. Qu'est-ce qu'il a maintenant? Bah là, là, elle vit ta tête. Mais elle est toujours cette façade-là. Avec le soleil. Attends, ouais. t'es le soleil. Ça brûle. Regarde, ça brûle. On a pris la route à 18h30. C'est plus que 18h30, c'est ça ouais, 19h. Ouais, si, c'est ça, 19h. 19h, 19h30. Exactement. Et si on a pris la route à 15h, oh, 14h. Oh, mais... Dégustation, pastèque. Super bonne. Super bonne. Mmh. Après cette journée intense. Ah ouais, non, elle est bonne. Cet épisode va s'arrêter là-dessus. Prochainement dans Un Rebeu au Maroc. Voilà, j'en peux plus. Cette chaleur, ce match de merde, c'est... Y'a rien. Oh, que de... Oh, je vois le retour. Oh, c'est... Oh, c'est... Oh, la vache. Ce vlog est une dinguerie.